Bah écoutez, moi ça va, mais ultra méga bien. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai été à Stokomanie. Donc j'ai été super contente parce qu'il y a un Stokomanie qui a ouvert il y a même pas un mois, juste à côté de chez moi. Alors comment vous dire que là, je suis aux anges. Voilà, j'ai un Action, j'ai un Stokomanie, j'ai un Oz qui est pas très loin. Il manque plus de Primark et là, la Pola, là elle est ouverte. Donc, je vais vous présenter mes achats tout mignons, tout gentils, tout beaux. J'ai pris ça. Et non, ce n'est pas une raquette pour jouer à la raquette, les loulous, pour jouer au tennis. Non, 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 du tout, du tout, du tout. J'ai pris cette fameuse raquette. Alors, c'est à pile. Voilà, vous mettez les piles juste ici. Voilà, vous savez, c'est les petites raquettes où quand vous voyez un moustique, une mouche ou peu importe, une araignée aussi. Ouais, ouais, une araignée, j'ai horreur de ça. Vous allez avec votre petite raquette comme ça, toute mignonnette. Et vous, clac! Vous lui claquez la tronche. Et puis, bah, ça l'électrocute ou je sais pas trop quoi, là. Et puis, elle crève. Voilà, tout simplement. Alors, pour tous ceux qui sont amoureux des bêtes, moi, j'adore les animaux. Ah ouais, ça, j'adore les animaux. Mais tout ce qui est insectes, araignées, moustiques, j'ai horreur de ça. Voilà, j'ai horreur de ça. Alors, ça, c'est bien pour leur faire la peau. Ensuite, j'ai pris... Il y avait une promo. Et comment vous dire que moi, ces Oreos-là... Alors, je déteste les Oreos classiques, les machins, les trucs, les bidules. Mon fils, il adore. Voilà, il adore. Mais ceux-là, oh my god. Donc, j'ai pris ces petits Oreos, c'est les Golden. Oh là 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 là, ils sont trop 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 bons. Et donc, vous avez 3 paquets. Et en plus, c'est en sachet individuel. Donc ça, c'est top. C'est génial, c'est top. Donc voilà, je pense que on va se régaler parce que nous, on est juste fans. J'ai pris également, donc ça, c'est pour ma petite chouquette. Voilà, ma petite puce. Je lui ai pris cette petite chemise qui est trop belle. Voilà, il y avait une autre sorte de licorne avec des grosses fleurs et juste la corne de la licorne. Trop belle aussi, mais voilà, nous on a pris celle-là et puis elle est rose comme ça derrière. Génial. Donc j'ai pris ces petites soupes comme ça que j'adore. Donc il y a, je ne sais pas combien de sachets, il y a 3 sachets à l'intérieur. Celle-ci, c'est la soupe forestière et croûtons. Donc, vous avez même les croûtons à l'intérieur. Donc, Que demande le peuple? J'ai pris ça. Donc, ça, c'est pour les loulous parce que je ne sais pas ce qu'ils foutent avec le blanco. J'ai l'impression qu'ils les bouffent. C'est ces petits blancs, enfin, ces petits rouleaux comme ça, 2 blanco. Donc, vous en avez 2 à 99 centimes. Vous voyez, là, il y a le prix. Donc, 99 centimes, 2 souris comme ça, 2 blanco. Pas cher, les amis, pas cher. J'ai pris donc dans mon haul action, je ne sais pas si je vais vous le mettre avant cette vidéo ou après, enfin peu importe, mais en tout cas dans mon haul action j'ai trouvé ce produit là, mais il n'y avait que l'après shampoing. Donc j'étais un petit peu dégoûtée parce que moi de base je voulais le shampoing, et quand j'ai été après à Stokomanie, oui parce que je suis allée action et après à Stokomanie, ouais ouais ouais, je suis incroyable, je suis incroyable, je suis faible les loulous, que voulez-vous. Donc j'ai pris ce petit shampoing, donc c'est le Revlon shampoing hydratant, vous avez 250 ml, je l'ai vu tourner dans pas mal de vidéos et apparemment ce shampoing là il est top. Vous avez pour les blondes, vous avez pour les brunes, pour les châtains, enfin bref, génial. Donc voilà, trop hâte de le tester. J'ai pris également les loulous ce petit paquet comme ça de mouchoirs. J'adore ceux de Lidl, ceux-là je ne les connais pas du tout, donc ça va me permettre de les tester. Et je vous en dirai quoi dans mes produits terminés. Donc vous en avez 150. Donc voilà, c'est un gros paquet comme ça. Donc voilà, des petits mouchoirs, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, j'ai pris ça pour ma puce. Donc ça, c'est une petite licorne, mais vous savez, c'est un dérouleur en fait de scotch. Comme ça, en licorne. Elle m'a dit, oh, il est trop joli, il est trop joli. Donc, je lui ai dit, vas-y, prends-le pour le prix, hein, 99 centimes. Voilà, nickel. Enfin, ça, c'est ma puce qui a voulu prendre ça pour elle. Elle est gourmande autant que sa mère. Elle a pris ses petites pépites, comme ça.
Donc c'est des pipasoles, voilà, moi quand j'étais petite j'appelais ça des pipasoles. Donc celles-ci sont salées et puis elle adore aussi, c'est celles qui sont au ketchup, voilà. Mais on les trouve que dans une boulangerie là, dans ma ville, c'est les seules qui les ont au ketchup. Mais bon là, voilà, elle adore les salées également, donc elle a pris des petites pipasoles. J'ai pris, donc ça c'est pour mon petit plaisir, des petits schtroumpfs, j'adore, j'ai toujours aimé ces bonbons-là depuis que je suis toute gamine. Voilà, j'ai pris un petit sachet, comme ça, de schtroumpfs. Ensuite, les loulous, j'ai pris ça. C'est un baume nourrissant pour le corps, sans parabènes, au pH neutre, 100 ml, et c'est à la coco. Quand vous l'ouvrez, vous avez une petite, hop là, une petite opercule, et voilà. Oh, ils sont, franchement, si vous aimez l'odeur de coco, en plus, la marque Énergie Fruits, c'est pas donné quand vous allez à Leclerc, Carrefour, etc. Cette marque-là, franchement, ils se foutent de la gueule du monde. Elle est pas donnée du tout. Donc là, bah, j'ai foncé, hein. Bah, ouais, j'ai foncé. Ensuite, les amis, j'ai pris ça. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est un fixateur de maquillage, voile invisible, non collant, pour tout type de peau. Il y a 150 millilitres. C'est de la marque, je sais pas, c'est marqué soin du visage biphase, c'est le Fix Makeup Long Lasting. Donc voilà les loulous, c'est celui-ci, ce petit fixateur de maquillage. J'ai pris également ce masque de la marque Evoluderm, c'est un masque purifiant à l'argile, il purifie et nettoie la peau en profondeur, il y a 150 ml. Donc pareil, et pour ma peau qui est une peau de, de merdasse, les masques à l'argile, franchement c'est top, pour nettoyer, etc. c'est top. Donc voilà, j'ai pris ce petit masque, pareil je vous en dirai ce que j'en pense dans mes produits terminés. J'ai pris également ça, donc pareil, je sais pas du tout ce qu'il vaut. Voilà, c'est ce produit là. Donc c'est un correcteur, un concealer Cache Cerne, c'est la référence light, de la marque Miss Cop. Pareil, pas cher du tout, je sais pas si vous verrez bien, mais voilà, pas cher, donc hâte de tester. Ensuite, les loulous, j'ai pris ça, donc ça c'est une poudre compacte de la marque Bourjois, donc la référence c'est la 55 miel doré, donc il y avait d'autres teintes, hein. Moi j'ai pris celle-là, parce que celle qui me correspond le mieux. Donc vous l'ouvrez, vous avez, hop, le petit miroir qui est juste ici, là vous avez une petite... éponge comme ça, mais bon, moi je m'en sers pas, hein. Moi je me sers de mes pinceaux, et donc voilà, hop, je vous la mets comme ça, elle est comme ceci. Hâte de la tester, je la connais pas du tout celle-là. Au top. J'ai pris également ça, donc ça, vous savez, c'est pour corriger les rougeurs, les petits boutons, les petites imperfections là qu'on a sur la face. Et ben moi je l'ai pris, c'est le stick correcteur masque les rougeurs, c'est de la marque Miss Cop, pareil, donc comme ça, il est jaune, donc soi-disant, si on lit ce qui est marqué, ça cacherait tout ce qui est rougeur, imperfection, etc. Donc à tester, j'ai trop hâte, et pareil, je vous en dirai quoi dans mes produits finis. Ensuite, dernier produit, j'ai pris ça, c'est un petit parfum, mais j'ai craqué, il sentait trop bon. Alors il est comme ça, c'est un tube, donc il y avait une autre senteur, mais l'autre, elle ne me plaisait pas du tout. Donc elle est comme ça, et c'est de la marque Ixie, c'est l'or des sables. Elle sent trop bon. Ça sent le... je saurais pas vous dire, mais ça sent le frais, c'est une odeur... c'est une odeur en fait qu'on... voilà, qui passerait bien l'été. Elles sont trop bon. Ça sent trop bon. Donc voilà, le petit... parfum. Donc voilà. Donc les loulous, bah voilà, bah écoutez, cette vidéo est enfin terminée. Dites-moi s'il y a des produits que vous connaissez, si vous aimez, si vous aimez pas du tout, parce que les goûts et les couleurs, bah... ça se discute pas, donc dites-moi tout ça en commentaire parce que vous savez que j'adore échanger avec vous. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait ultra méga trop plaisir. Sur ce les loulous, je vais vous laisser, prenez soin de vous, prenez soin vraiment de tous les gens que vous aimez parce que c'est ultra méga important. Et puis bah quant à nous, on se retrouve très bientôt, ouais, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.